Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Anthony, il faut que je te parle. J'ai quelque chose à te dire. J'espère que tu le prendras pas mal. Mais après toutes ces années, il n'y a plus la petite flamme entre nous. Qu'est-ce que tu vas encore chercher là? Ce matin, on était encore super complices, on a encore fait pas mal de choses. Qu'est-ce que tu vas me sortir encore? Ah oui, si t'as pas compris, je m'appelle Anthony. Hein. C'est pas Chiré. Bah, c'est Chiréka, mais je m'appelle quand même Anthony. Bon, allez, on recommence. Anthony? Enfin, Chiréka? J'ai quelque chose à t'annoncer. Nous deux, on n'a plus la petite flamme qu'on avait au début. Après toutes ces années, j'ai décidé que c'est fini entre nous. Mais comment c'est possible? Après tout ce qu'on a fait ensemble, toutes ces choses qu'on a partagées, tout le fluide que je t'ai mis, comment tu peux me faire ça? Comme tu peux le savoir, donc je suis bien célibataire, ça fait un an aujourd'hui que je ne suis plus avec mon ex. Enfin c'est pas... voilà tu vois, bah là j'ai le sourire, bon ce matin je faisais un petit peu la gueule, tu vois, je fais putain ça fait déjà un an. Là j'ai un petit peu le sourire parce que je me dis je vais te faire une putain de vidéo. Bon d'accord, moi j'ai été un petit peu vite fait couper bétif, bon ça part en couille parce que je viens de mettre la perruque, mais je vais te sortir quelques avantages, quelques putains d'inconvénients quand t'es célibataire. Ouais, il y a des avantages quand même. À ton avis, pourquoi j'ai attrapé des gros bras? Alors, quand tu commences une séparation, là, tu vois, j'ai le smile, mais je peux te dire qu'il y a un an en arrière, j'étais totalement effondré. Franchement, on m'a ramassé à la petite cuillère. Même te passer la serpillière sur moi, tu pouvais m'éponger. Je faisais que de pleurer. Ouais, là, tu vois, j'ai le smile, etc. Bon, je suis un petit peu cerné parce que je me suis réveillé tôt ce matin. D'ailleurs, il y en a certains qui m'ont envoyé des messages sur Messenger hier à approcher minuit, donc merci de m'avoir réveillé. Mais bon. Alors, oui, comme je t'expliquais, en fait, t'as des avantages et t'as des inconvénients. L'inconvénient, c'est quand t'es célibataire, tu te retrouves seul. Quand t'as l'habitude de vivre en couple depuis une paire d'années, je peux te dire que c'est dur de te retrouver tout seul. Alors, l'inconvénient d'être tout seul, en fait, c'est que tu repenses toujours à cette situation, toujours au moment où tu la vois qu'elle t'annonce que c'est terminé. En gros, dans ta tête, tu te dis, putain, elle est déjà en train de se faire sauter par quelqu'un d'autre. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Alors, il y a plusieurs méthodes pour te remonter la pente. La mienne, c'était, j'ai rencontré quand même pas mal de monde. Je parle pas que j'ai été niqué à droite à gauche non plus. Ça te regarde pas, c'est ma vie privée. Enfin bref. je suis en train de faire le con, j'ai rien écrit parce que j'ai pas trop eu le temps. Mais voilà. Moi en fait, ce qui m'a aidé à sortir de cette situation, c'est que je rencontrais du monde. Et en même temps, j'avais ma meilleure amie que je parlais tous les jours. D'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, je te fais un petit bisou. Hein. Et ouais, comme je te dis, plus tu t'es isolé, plus ça va être dur. Un mois à peu près après la séparation, quand je me suis séparé, je faisais plus de 120 kilos. D'ailleurs, je vais essayer de te retrouver d'autres, de certaines images où j'étais totalement énorme. Mais quand je te dis énorme, laisse tomber. À côté, tu vois le bonhomme Michelin, la Bibadome, il est sec à côté de moi. Donc, un mois après, je me suis mis à la salle de sport. Juste pour pas être tout seul, j'accompagnais Keiko. Et en même temps, je me suis dit, putain, je suis pas à l'aise, tu vois. Je fais 120 kilos à côté, c'est tout des athlètes, tu vois, qui poussent de la fonte et tout. Toi, à côté, chichi, tu pousses 10 kilos, t'étais mort. Ouais, ouais. Je faisais que ça. Et j'étais mort. Maintenant, je pousse 15 kilos, quoi. C'est pas grave. Un an de salle de sport, ça passe vite. Franchement, ça passe super vite. Et plus tu vas aller
à l'encontre, bah, plus tu vas aller rencontrer du monde, plus tu vas aller parler. Bah, je te dis, au début, je parlais à personne dans la salle de sport, hein. Puis plus tu avances, plus tu commences à aller vers les gens, et c'est même les gens qui viennent vers toi. Bah, je te raconte pas que je me fais draguer par de la cougar en ce moment à la salle de sport. C'est pour ça que je vais commencer à raser la barbe de viking. Je vais arrêter d'écouter certains qui me disent faut laisser pousser parce que là, laisse tomber. Après, il y a de la cougar qui arrive dans la salle et puis, oh mon petit chichi, ça te tenterait un petit plan avec moi? Bah, ça se passe vraiment comme ça. Mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Et ça fait peur. Surtout quand t'es jeune, que t'as 20 ans depuis 9 ans. Alors, je te change un petit peu de plan. L'avantage, c'est quand tu es célibataire, c'est que tu peux vraiment faire ce que tu veux. Donc, tu peux regarder ce que tu veux à la télévision, tu peux aller te coucher à l'heure que tu veux. Et ouais, t'as plus madame qui te dit putain, tu fais chier, je dormais. Par contre, l'inconvénient, c'est quand t'as envie de niquer. Ouais. Bah, j'ai pas attrapé ces gros bras que c'est comme ça, tu vois, juste à la salle de sport. Si tu vois ce que je veux dire. Non, je plaisante. Bah, en même temps, voilà quoi, ils sont pas si gros que ça. Ça va, je reste encore dans le mode petit branleur, tu vois. Alors, quand tu commences à croire que tu sors de cette période de déprime, que tu as envie de recommencer à trouver une femme pour continuer à avancer, etc. Enfin, tu comprends ce que je veux te dire, quoi. Tu as envie d'aller ailleurs, tu t'en as marre d'attendre que l'autre connasse elle revienne. Non, pardon, excuse-moi. Si tu regardes cette vidéo, parce que je sais que tu continues à regarder mes stories, etc. Enfin, au début, tu penses qu'elle va revenir. Ça, c'est clair que tu penses qu'elle va revenir. Mais après, bah, tu te dis merde, il faudrait peut-être que je commence à chercher ailleurs. D'ailleurs, moi j'ai commencé à chercher assez tôt quand même. Je me suis dit, de toute façon, elle ne reviendra pas. De toute façon, si tu revas avec une ex, c'est comme si tu vas à la prison. Quand tu y retournes, c'est que tu n'as rien compris. Donc, je me suis dit, il faut que je cherche. Donc, tu rentres dans cette première période, dans cette première phase où tu veux commencer à retrouver du monde. Donc, maintenant, tu veux y aller, site de rencontre. Il y a 10 ans en arrière, tu vois, tu pouvais la causer dans la rue. Maintenant, tu la causes dans la rue, tu vois, avec cette barbe de viking, là. Enfin, je commence, hein. La meuf, elle change de trottoir, elle court, elle crie « Putain, il y a un pervers !» Ouais, rigole pas. À un moment, je passe, je dis bonjour à une fille, elle m'a regardé bizarrement d'un air de dire « T'es normal dans ta tête, toi? Ou ça se passe comment ?» Alors, du coup, bah, on s'inscrit sur les sites de rencontre. Je me suis dit « Mythique, plus tu cliques, plus tu niques. » Ouais, bah, à part pomper mon fric, ils ont rien fait du tout, tu vois. Il n'y a pas eu de niquage, il n'y a rien eu. Mythique, laisse tomber, ça fait. Ouais, ça fait un moment que je suis inscrit dessus, il n'y a pas eu grand-chose dessus. Donc, ceux qui veulent passer par les sites de rencontre, franchement, c'est de la merde. Les femmes sont tellement harcelées, c'est même plus sollicité, c'est harcelé qu'elles prennent plus la peine de regarder tous les profils. Donc t'as une chance sur. À moins que tu mettes des photos de toi à moitié à poil que t'es à les muses de Thibaut Inchep, laisse tomber, oublie. Après, il y a certaines choses que. Bah, il y a certains trucs que tu peux faire, tu vois. T'as des soirées célibataires, etc. Là, ça commence à devenir plus intéressant. Plus, bah, si t'as vraiment l'intention de. T'es prêt à passer à autre chose, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Quand tu rentres dans ta période, que ça fait 6 mois que tu es célibataire, que tu te dis putain, je retrouverai plus jamais personne, tu changes. T'as plus envie de rester sur Mythique. T'es en mode déprime. T'abandonnes les sites de rencontre. Du coup, tu t'inscris sur Netflix. Ouais. Tu prends un abonnement. Mais Netflix, ça va vite à finir. Quand tu tapes des séries du matin au soir. Parce que bah voilà, tu commences à te faire chier. Que t'espères que y en a une qui va te frapper à ta porte un jour peut-être. Mais tu sais qu'elle n'arrivera jamais. Ouais, elle est triste ma vie. Enfin, je m'en fous. Donc oui, tu t'inscris à Netflix, tu regardes tous les films, toutes les séries. Mais il y a toujours le truc que t'es en manque, putain.
Mais t'es en manque. Il y a un truc de malade. T'as plus la sensation, en fait, il y a quelqu'un tu te lèves le matin, que t'as des petits sourires et tout. En fait, c'est ça qui me manquait, c'est me réveiller avec quelqu'un et aller me coucher avec quelqu'un. Voir son sourire, etc. C'est ça qui te manque. C'est pas question que tu niques ou que tu niques pas, c'est question que, voilà, t'as plus personne à qui parler. Ah, si, tu parles moi, je parle sur les vidéos YouTube, tu vois, mais t'as plus personne à vraiment avec qui parler du matin au soir, avec qui rigoler, avec qui jouer. Je parle pas que des jeux vidéo, je parle avec toutes sortes de jeux. Tu peux plus rigoler, tu peux plus chamailler gentiment, tu vois. C'est toutes ces choses-là qui te manquent, et ça, c'est là où on va arriver sur le truc où le porn est ton ami. Ouais. Ah là, t'inquiète pas que toutes les mifs, tu les connais. Toutes les vidéos où tu sais que tu vas les connaître. Eh ouais. Je passe pour un putain de gros pervers, je le sais. De toute façon, je l'avais prévu. Mais bon. Non, franchement, c'est toutes ces choses-là, c'est. Bah, t'as pas besoin de supprimer ton historique maintenant. T'as pas besoin de trouver une excuse parce que bah il y a une photo porno sur ton PC. Ah, tu vois, moi j'ai pas un enfoiré, il n'y a pas de photo porno sur mon PC. C'est normal, tu vois, il n'y a rien. Tu vas te dire, ouais, chichi, tu les as enlevés parce que tu fais la vidéo. Non, franchement, il n'y a pas de photo porno sur mon PC, non. Enfin, c'est pas mon style de mater que de la meuf. Ça peut être déformé ce que je viens de dire. Si je mate que de la meuf, mais c'est pas mon style d'avoir des trucs porno chez moi. Maintenant, s'il doit avoir des femmes, etc., ça sera la mienne, tu vois, que je mettrai au fond d'écran. Chose que j'avais avant. En fait, j'avais plein d'idées dans ma tête. Mais je les ai oubliés. C'est con, hein. Non, en fait, au début, tu vas la détester. Au début, tu détestes cette personne, tu vas la haïr. Mais au fil du temps, en fait, t'en as plus rien à foutre. Ça te fait toujours chier de ce qui s'est passé. Bah, tu lui en veux quand même. Mais d'un autre côté, bah, ça devait arriver. Et puis voilà, tu vois, tu essaies de passer à autre chose. Alors, si un jour ça vient arriver. Malheureusement, parce que. Ah, de toute façon, même elle finira par le regretter. Ça, c'est sûr. Quand tu vois que je pose une story Instagram, que je vois que c'est une des premières qui va regarder ma story, bah, tu te dis, c'est pas normal au bout d'un an. C'est qu'il y a quand même peut-être du regret, tu vois. Il y a quand même. Enfin, après, c'est peut-être juste qu'elle s'en bat les couilles de. Voilà, qu'elle a envie de faire chier. Enfin, tu sais pas ce qu'elle se dit dans la tête. Mais tu penses qu'il y a quand même du regret parce que tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu récupères derrière. Maintenant, cette vidéo, elle avait pour but d'être un petit peu humoristique, mais je te raconte un petit peu ce qui se passe pendant cette année. Il y aura une vidéo bientôt qui va sortir sur la chaîne où je te parle, je vais te parler. Comment j'ai fait pour perdre 30 kilos pendant cette année? Enfin, pendant cette année, je vais te dire, j'ai perdu sur les 6 premiers mois, je suis à entre 20 et 25 kilos. Et là, les 5 derniers kilos, je les ai perdus là sur les 6 mois là qui viennent d'arriver. De toute façon, c'est les 5-10 derniers kilos les plus durs à perdre. Donc, c'est pour ça que je commence vraiment à. Bah, plus trop à chercher à perdre le poids, mais à dessiner un petit peu le reste du corps. Donc, il va y avoir également des vidéos où je vais partir sur du sport. Maintenant, voilà, bah, je t'ai dit que j'étais célibataire, c'est la vie. C'est con, hein. Mais le célibat, en fait, c'est pas pour moi. Bientôt, je vais me retrouver dans les célibataires anonymes. On va tous arriver, tu vois, on va se mettre en cercle, comme des cons, comme les alcooliques. Puis je vais arriver, je vais faire. Bonjour, je suis Chirica. Je suis célibataire depuis autant de temps.
Mais vu que je viens de me présenter, en fait, je serai plus anonyme. En fait, ils sont cons, ces alcooliques, quand même. Tu dis que c'est les alcooliques ou les célibataires anonymes, mais on se présente. C'est un petit peu con. Est-ce qu'il faudrait dire son vrai prénom? Enfin, bref. Je sais plus quoi dire, en fait. J'ai fait le tour. Ça me casse les couilles, en fait. Non, franchement, je suis franc avec toi. Les premiers mois, j'attendais vraiment qu'elle revienne. Maintenant, ça n'arrivera plus. Et puis maintenant, j'y suis ça à bout, putain, c'est bien. Non, franchement, ce qui m'a aidé, c'est faire des vidéos YouTube. Grâce aux vidéos, tu vois, en fait, je pensais à ce que j'allais faire en vidéo. Je pensais pas à ce qui se passait là. Je pensais à faire de mon sport, mes vidéos YouTube. C'est ce qui m'a vraiment aidé à avancer. Je sais que y a eu pas mal de. Bah, j'ai eu une baisse de régime sur YouTube. J'ai sorti pas mal de mêmes choses. Comme plein de matchs Rocket League. J'ai perdu du monde. De toute façon, ça, je le sais que j'ai perdu la plein de personnes qui étaient actives. Quand tu parles qu'il y a un an, je faisais 200 vues, là j'en fais 50. Ah, tu vois, j'ai perdu quand même pas mal de personnes. Enfin, bref, c'est le principal. Principal, c'est que maintenant, je vais bien. Bon, je sais que je suis fou dans ma tête, mais ça, j'ai toujours été fou dans ma tête. Ouais. De toute façon, t'as pas fini d'en chier, je suis jeune. J'aurai toujours 20 ans. Quand tu seras à la retraite, j'aurai toujours 20 ans. Donc, du coup, à moins que YouTube ferme, mais j'ai pas l'intention d'arrêter. En tout cas, pas pour le moment. Et puis, voilà. Et puis, je te dis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner. Ouais, je sais que t'étais déjà en train de te masturber parce que j'étais belle en blonde. Mais bon, tu vas te calmer un petit peu, Maurice. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Chérica?